Eh bien salut tout le monde, c'est vrai que c'est Vincent aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir comment faire du multi-stream, c'est-à-dire stream sur plusieurs plateformes en même temps et cela avec un site, un logiciel tiers autre que votre logiciel. Donc ça marche avec tout, avec Streamlabs, OBS, avec tout ce que vous pouvez utiliser. C'est juste une URL et une clé de streaming différente que vous aurez à copier. Ensuite, donc si par exemple vous cherchez à streamer sur Twitch, YouTube, Mixer, Facebook en même temps, ce tuto est fait pour vous. Donc vous allez aller tout simplement dans le lien que je vous ai mis dans la description et qui va vous amener sur cette page. Donc sur la page du coup du site Mobcrush. Vous allez faire commencer. Et là, ça vous aura une petite page, ça va vous demander du coup de vous connecter. Moi, je vais me connecter avec mon Twitch. Sauf que là, normalement, il va trouver, voilà, il va trouver directement mon compte que j'ai déjà. Vous, il va vous demander de créer un compte Mobcrush et ensuite d'associer votre compte Twitch, d'accepter tous les trucs, machin. Donc, vous faites tout ça. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous arrivez sur cette page. Donc, en gros, ici, c'est les comptes que vous allez connecter. Vous faites connect machin et vous pouvez connecter tous vos comptes YouTube, Facebook, Mixer. Et ensuite en faisant on, c'est-à-dire que ça va streamer sur la plateforme, off, ça ne stream plus sur la plateforme. Donc vous mettez en on toutes les plateformes sur lesquelles vous souhaitez streamer. Et là maintenant, c'est bon. Là moi je vais stream sur Twitch et YouTube en même temps. Maintenant je veux avoir un titre, un jeu et une description. Pareil pour tous mes sites de streaming. Donc je vais ici. Je cherche un jeu, par exemple je vais stream Fortnite. Hop, je sélectionne Fortnite. Je mets un titre, une description, puis je fais sauvegarder broadcast info. Et là, ça va tout sauvegarder et ça va mettre automatiquement sur Twitch et YouTube les informations que j'ai mis du coup juste ici. Donc voilà, c'est en gros comme ça que fonctionne le site et vous permet de faire du multistream. Maintenant, on va aller rapidement voir comment connecter ce multistream sur OBS et sur Streamlabs. Donc pour connecter sur OBS ou Streamlabs, je vais vous montrer sur OBS, mais c'est la même chose exactement pour les deux. Donc vous vous rendez dans les paramètres, et vous voyez que juste ici dans Stream, là on va sélectionner Personnaliser. Sur Streamlabs, il faut sélectionner Service de streaming personnalisé. Donc dans les deux cas, vous allez arriver ici. Ici sur Serveur, vous allez copier ce que vous trouvez juste là. Donc ingest URL, vous copiez dans Serveur. Et pour clé de stream, vous allez venir show et vous allez copier la clé de stream juste ici. Et là, ce sera bon. Vous aurez votre streaming de personnalisé appliqué, OK, sur Streamlabs OBS, sur OBS, sur ce que vous voulez. Et là, c'est bon. Du coup, vous n'allez pas avoir ni Twitch ni YouTube. Vous allez avoir un service personnalisé qui sera donc Mobcrush. Et ici, vous allez pouvoir tout gérer et faire votre multistream. Donc, vous voyez que ce tuto est très court parce que c'est très très simple, il n'y a pas grand chose à voir. Mais voilà comment faire simplement et gratuitement du multistream sur tous vos services de streaming. Également, petite fonctionnalité qu'a Mobcrush, c'est ici, vous voyez qu'il est marqué Pop-up Unified Chat. Vous cliquez dessus et vous avez un chat du coup unifié de tous vos services YouTube, Twitch, etc. en même temps. Donc, si vous voulez voir le chat en même temps, c'est plutôt pratique. Vous le mettez sur OBS et c'est réglé. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a aidé et intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.